Bana Congo, bana mboka, mbote. Lelo ezali samedi. Je pense le 22 décembre. Toti komona kasami balé. Ya mbongo oyo. Tobenga ka franc congolais. Oye tuko bima na elongi ya Hippolyte Kadjambere Kanambe na mususu ya Félix Tshilombo. Toujours mituna. D'après ce qu'ils disent, que Zali ko célébrer alternance pacifique. Ce qui botti elongi ya moto. Na mbongo surtout dans les cas précis mboka na biso. Ça change quoi à la situation dans laquelle nous nous trouvons depuis une vingtaine d'années? Elongi ya Munguna, bango mibale baza Munguna, nde tokolia, nde ekosilisa bitumba na mboka, nde ekosepisa oyo nyonso bakufi, nde ekobakisa valeur na mbongo oyo eza nango ya ntina te. Ou c'est seulement une folie. Les gens ne peuvent comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette frange de fanatiques qui vont applaudir Motonet et Félix, leur complice? C'est une honte pour nous, ça. Parce qu'il y a ce discours pendant deux heures presque et demie où il raconte des bobards. Discours de l'état de la nation. Il y a un monde qui a été fait pour nous, parce que nous avons été fait. Discours de l'état de la nation, ils allaient Koloba brièvement au lobby que nous avons été fait pour nous. Oui, salami tout et salam akate. L'heure nous avons corrigé et puis, si nous avons été fait. Ça a deux jours, ça a trois jours. Et là, quand on a sali, il y a un gros oeil. Dans le Seigneur, il y a une chance. Il y a une chance. Il y a un gros bassin de bosso. Vous basant de ce que j'ai fait, ce qui m'ont les allées positives, il y a continué. Tout la continuité. On a un discours. Ce qu'on appelle le discours de l'état de la nation. Ce n'est pas une histoire où il y a comme ça la campagne et tu donnes des promesses faramineuses et fumeuses même d'un bateau alors que tu es en train de nager dans l'obscurité. L'obscurité, c'est le négativisme. Bah, en temps périlleux, bébé Simboka, Nzala, Bitumba. Qu'est-ce que tu dis pour ça? Aucun akoubou m'sera biso, mbongo, eux en a valeur. N'dengue tout le bac en a. L'intervention de la vie sur la Kala. Franc congolais, ils allaient bon, on a bien sauté. France, c'est pour les Français. Bouti a combo moussous, on est au Mugutu Atia, il y a l'Ikuta, il y a Sengi, il y a Zahir. Ou bien bon, il y a un bon makaka Congo, ce qui veut dire Zahir. Nous ne sommes pas des Français. Nous ne sommes pas des francs. Il faut que l'on la combo en bon wana. Ils en ont tiré un TP, ils en ont valeur. Voilà, bon week-end. Au revoir. Aussi, mais ce n'est pas un billet transactionnel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des courses avec. Comme on dit en Lingala, de consommer la mambo puis le côté. C'est juste, ça va rester. Nous attendons la validation de la Banque centrale. Mais ce n'est pas, j'insiste, que ce n'est pas un billet qui sera. Qui va circuler entre les membres du gouvernement. Ensuite, nous avons le spot publicitaire. Thank you.
la journée de la présence. Je vous remercie. congodialogue.com Leader, vous devez vous prendre en charge à Zali Liderté. L'IDPS, c'est un parti moribond. Et ses membres, ce sont des revers. Vous rappelez que la parole sortie par le professeur Liaou semble être une malédiction de l'IDPS. Le professeur Liaou avait parlé de l'IDPS qui est une coterie tribale. Et maintenant, ça devient une coterie familiale. Père, mère, fils. C'est quoi ça? Vous croyez que c'est une boutique? Qu'est-ce que c'est comme ça? Un parti politique, c'est un patrimoine national. C'est un bien public. Ce n'est pas la chambre familiale. Comment vous voulez faire de la politique de la chambre familiale comme ça? Où il y a le père, il y a la mère, au lieu de préparer du pomme à la cuisine, elle vient s'immiscer dans les histoires politiques qu'elle ne connaît même pas. Vous allez prendre son enfant qui sort du néant. Qui connaissait Félix Tshisekedi? Parce qu'il sort de quel trou ce type-là? Dans toute action d'adversité, il faut profiter des effets de surprise. En tirant Laurent Désiré Kabila, ce n'était pas les effets de surprise. Pendant que nous étions en train de danser, de chanter, de créer des conseils religieux dans les stades, et avaient leur objectif. Tuer le président, éliminer tous les officiers militaires, éliminer les intellectuels, tuer tout celui qui s'oppose à eux, c'est ça leur agenda. Et ils continuent à faire ça pendant que nous dormons. Et profitent des effets de surprise. Ils ne nous avertissent pas. Quand ils doivent empoisonner Kester Menea, empoisonner Madilou, empoisonner Papa Wemba, vous êtes seulement là, pouf, Wemba au bas tombe, Akoufi. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Mais nous devons tuer ces gens aussi. Si nous ne tuons pas ces gens, tuons ceux-là, les mecs qu'ils arment pour nous tuer. Ce sont nos propres frères, nos propres sœurs. Et si le Rwandais, la communauté internationale, les Burundais, les Ougandais et les autres blaguent, c'est parce qu'il n'y a pas un pouvoir fort au Congo. C'est parce qu'ils n'ont pas trouvé un homme fort au Congo. Ils ont trouvé des danseurs, ils ont trouvé des religieux, ils ont trouvé des phallocrates. Excusez-moi le terme, phallocrates, ce sont des gens qui sont dans l'hédonisme du pénis. Hein. Ce sont les phallus. Le phallus, c'est le pénis. Le phallo, donc, la jouissance du sexe. Les gens qui sont derrière les femmes. Oui. Donc, ils ont trouvé le phallocrate, ils ont trouvé les danseurs, les hédonistes. Ils n'ont jamais trouvé un guerrier. Moi, je suis Moulega, moi, je suis guerrier. Le jour où ils trouveront un régime fort au Congo, ils ne vont pas blaguer avec le Congo. Et un type tel que Kagame, qui est physiquement inapte, ne peut pas blaguer avec le Congo. Comment un type comme ça, qui a des pieds comme une aiguille, peut vraiment déranger un pays tel que le Congo? Hein? Les Rwandais, ils n'ont que des armes. Mais avez-vous déjà vu un Rwandais qui est boxeur? Au monde, avez-vous déjà vu un Rwandais qui est... C'est pendant les Tchans ici que vous avez vu un Rwandais qui est footballeur. Avez-vous déjà vu un Rwandais qui est footballeur? Jamais. Même pas un athlète pour courir. Parce que physiquement, ils ne sont pas forts. Nous avons été avec qui à l'école. Simple gifle. Tiens, une exclusion d'une semaine ou deux semaines parce qu'il est hospitalisé. Le Rwandais. Parce qu'ils n'ont pas la force physique des Congolais, des Bantous. Mais nous leur donnons l'opportunité de nous piétiner à cause de la philosophie pacifiste de que le catholicisme nous a amené au pays et toutes ces fausses églises, je ne sais pas, des sommeils, je ne sais quoi, des églises qu'on a conduites, des églises. Tout le monde là, pour Bangui. Libération et la pacifiste était que tout le dialogue est tout le monde. Puis, nous sommes tous totalement. Tous les Bapanga, tous les Makonga, tous les membres de Mbuki, attaquons même la Monique.
parce que on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de la monique. Bazaba dealer, bazoko yima la minerai pour bateka. Ils sont en train de couvrir les pillages systématiques de notre pays. Faisons comme les autres l'ont fait. Nous devons les attaquer dans leurs casernes, nous emparer des armes et les tuer. C'est comme ça qu'ils vont nous respecter. Nous ne devons pas fuir. Leader, Oya Kolobanabino, vous devez vous prendre en charge à Zali Liderté. L'UDPS, c'est un parti moribond. Et ses membres, ce sont des revers. Bon, je ne dis pas que son fils n'est pas de la génération à venir, mais depuis quand il a œuvré dans ses partis pour du coup comme ça sortir, je ne sais pas de quelle orbite il devient le représentant. C'est la peur. Attaquons les Rwandais. Cessez d'être le domestique des Rwandais. Bino ba Congolais, Bozali ba chauffeur à Rwandais, Bozali ba domestique na Bango. Donnez-nous des informations pour les attaquer. Attaquez-les parce qu'ils nous attaquent aussi. Et ça, c'est un message que j'envoie à Kagame. Si moi, je prends le pouvoir au Congo, prépare-toi. Et ça, c'est un message que j'envoie à Kagame. Si moi, je prends le pouvoir au Congo, prépare-toi. Dialogue.com